Tout est à lui. Bon, il y a beaucoup de couplets dans ce chant. Le règne est à lui, à Jésus-Christ. L'honneur, la louange, la gloire aussi. Et au nom du Père et dans le Saint-Esprit, nous venons te louer, Jésus-Christ. Alléluia, chante Alléluia. Nous te louons, nous te louons pour tous tes bienfaits. Nous te louons, ton amour durera jamais. Nous te louons, car tu nous as aimés. À jamais sois loué, Jésus-Christ. Alléluia, chante Alléluia. Notre Dieu est là. Allez, allez, alléluia. Allez, allez. Allez, allez, alléluia. Allez, allez. Allez, allez, alléluia. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Qui était là l'année dernière quand j'étais là? Ok, d'accord. Bon, ok, d'accord, ok. Bon, ça va être plus simple. Qui n'était pas là? Ok. Tout le monde fait bouh. Non, je niaise. c'est vraiment un privilège d'être de retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a vraiment vécu un moment très cocasse. Pendant que j'étais en train de prêcher, j'étais vraiment émerveillé par tout l'aspect technique que vous mettez en œuvre, tout ça. Et puis, à un moment donné, je voyais vraiment comme une lumière devant, là, qui était vraiment extrêmement forte dans mon visage. Puis, vous savez, un prédicateur, quand il prêche, il pense à son message, mais des fois, il pense à d'autres choses aussi. Ça peut être très, très, très mêlant. Puis là, ce qui venait, en fait, c'est que la lumière était vraiment tellement forte que ça me déconcentrait de prêcher. Puis à chaque fois que j'allais lire mes notes,
à chaque fois j'avais une espèce de lumière trop forte, et puis je pensais que c'était les lumières, et puis il y avait tout un discours intérieur, je me dis à un moment donné ils vont voir que les lumières sont trop fortes. Puis en fait ça n'arrivait jamais, jusqu'au moment où j'ai dit la fameuse phrase, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait juste baisser les lumières ici, j'ai l'impression de bronzer en ce moment. Et là tout le monde vous avait répondu, c'est le soleil. Parce qu'en effet, ici, c'était cette lumière-là, c'était le soleil qui passait à travers. C'est, on a eu droit à un bon moment de rire ensemble. Puis cette chose-là, cette joke-là, elle a circulé même jusqu'au Québec récemment. Le ridicule ne tue pas, comme on dit. Hein. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous encore pour une deuxième année. On va passer trois belles journées ensemble. Ce matin, demain matin, samedi matin, je vais avoir un enseignement d'une façon un petit peu spéciale pour ceux qui étaient là l'année dernière. Vous allez reconnaître ça. Je vais avoir une période de questions-réponses. Samedi matin, l'enseignement va être sous forme de questions-réponses. Donc, préparez déjà vos questions. Peut-être que certains, vous avez des questions par rapport à la louange, l'adoration, par rapport à faire un album, par rapport à la composition, par rapport, peu importe, dans tout ce qui concerne le domaine créatif ou alors l'église, toutes ces choses-là, c'est vraiment un bon moyen d'enseigner. À chaque fois que je fais des enseignements, je finis toujours par une période de questions-réponses et pour vrai, les gens souvent disent que c'était la meilleure partie. Donc ce matin, ça va pas être la meilleure partie, désolé de vous l'apprendre. Mais en tout cas, samedi matin, donc préparez vos questions. Samedi matin, ça va être une période d'open mic, micro ouvert, où on va avoir période de questions-réponses. Et vendredi soir, on va avoir une soirée de louange. Je vais être là pour faire la louange. Ça va être d'une façon un petit peu particulière. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais on a travaillé sur un concept. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Korn. Je suis mari d'une épouse qui s'appelle Myriam depuis maintenant 17 ans. Non, je ne me suis pas marié à 14 ans. Pour ceux qui se demandent... j'ai une petite fille qui s'appelle Eva, elle a 6 ans, elle est absolument extraordinaire, elle apprend à jouer de la musique et elle est très curieuse dans la vie, vraiment c'est extraordinaire. Je suis dans ma fonction principale, certains me connaissent comme le leader du groupe Impact, compositeur de chants comme Infiniment Grand, Mon Secours est en toi, etc. Mais ma fonction principale, c'est que je suis pasteur et directeur de création à une église à Montréal qui s'appelle La Chapelle. C'est une église qui a commencé il y a 6 ans de ça maintenant, avec une poignée de gens dans le salon de notre pasteur David Potier. Puis maintenant, c'est 3 communautés sur l'île de Montréal qui comptent à peu près 1600 personnes qui se rassemblent tous les dimanches. Et on implante une quatrième église dans la banlieue de la capitale nationale à Ottawa, à Gatineau en fait, très prochainement. Donc c'est mon privilège ça, de bâtir l'église et puis d'être un pasteur pour toutes les équipes créatives de notre église. La grande particularité de notre église, c'est qu'il y a énormément d'artistes, de créatifs, de gens de toutes sortes. C'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est ce que je fais du mardi jusqu'au vendredi. Parce que, en fait, les gens, souvent, ils ont l'impression, tu sais, que je suis dans mon salon, toujours en train d'écrire des chansons. Il y a des gens, souvent, qui me posent des questions. Je dis, non, moi, mon travail, c'est d'être un pasteur dans une église. Donc, ce matin, je vais vous apporter un message. C'est un message, on va lire ensemble dans Colossiens 3:16. Il y a beaucoup de versets 3:16 connus dans la Bible. Le plus connu, c'est le Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a pour moi, pour les musiciens, pour les chanteurs, dans l'église, on a notre 3:16. Et notre 3:16 à nous, c'est Colossiens 3:16. Est-ce que c'est affiché à l'écran? Faites-moi signe que oui. Si... Parfait. Donc on va lire ensemble. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels et des chants d'exo. On a rajouté une autre catégorie. Ça ne suffisait pas, il fallait aussi les chants d'exo. C'est devenu tellement mythique qu'on l'a rajouté à la Bible. Qui est reconnaissant pour exo? Pour vrai, c'est extraordinaire, vraiment. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On va prier ensemble, ok? Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses ce matin parler à ton Église, parler à ton peuple. Seigneur, que ce soit plus que des mots, Seigneur, que ce soit une conviction de ton Saint-Esprit, Seigneur,
qui rentre dans nos cœurs, Seigneur, et qui nous change, qui nous transforme, Seigneur. Façonne-nous de plus en plus à ton image. Habite pleinement en nous par ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a deux mots importants dans ce verset-là, au début du verset, deux mots qui sont extrêmement importants, qui sont que la parole de Dieu, de la parole du Christ, habite parmi vous abondamment. Habiter et abondamment. Ce que Paul est en train de dire là, c'est qu'il est en train de dire que la parole de Dieu, que la Bible, que son message, que ce qu'il est, habite profondément, pleinement, au maximum en vous. Il y a une différence entre être en contact avec la parole de Dieu et que la parole demeure pleinement en nous. Il y a une grande différence. Et Paul nous dit, je veux que la parole du Christ habite pleinement en vous. Je vais faire ici une petite illustration. Si je vous invite chez moi à prendre l'apéritif, vous allez venir, vous allez certainement vous asseoir dans le salon, je vais arriver avec les cacahuètes et puis un petit peu de pastis parce que je viens du sud de la France. Et donc là, je vais vous servir, etc. Puis vous allez manger poliment ce que je vous demande de manger, ou alors vous allez vous servir un petit peu. Vous allez être chez moi, vous savez que vous allez être chez moi, et vous allez vous asseoir là, et vous allez juste profiter un petit peu, puis après vous allez repartir chez vous. Ça, c'est être invité, et puis être en contact, et puis après repartir. Mais c'est pas ça, en fait, que si l'illustration, elle vaut, c'est pas ça que Paul demande. Il dit que la parole de Dieu demeure pleinement chez vous. C'est plutôt le cas, pas forcément d'invité, mais c'est comme si je vous donnais les clés de la maison. Et que je vous dis, venez à la maison, vous allez être là et faites ce que vous voulez chez moi. Là, c'est complètement différent. Alors que si je vous invite pour l'apéritif, vous n'allez certainement pas mettre vos cadres de photos de mariage à vous. Là, si vous invitez pleinement chez moi, vous allez probablement mettre vos photos de mariage parce que ce sera chez vous. Je vous dis, habitez pleinement ici, c'est que vous prenez possession de la maison. Vous allez habiter pleinement chez la personne. C'est exactement comme ça. C'est ce que Paul il veut dire. Ne soyez pas juste en contact avec la parole de Dieu, mais laissez-la habiter pleinement chez vous. Que cette parole-là, elle ne puisse pas être de passage, mais qu'au contraire, elle s'imprime en vous et elle change des choses en vous. C'est comme un mariage, vous savez, quand vous êtes en fréquentation, vous pouvez certes inviter votre fiancé ou peu importe chez vous, vous pouvez l'inviter à manger, mais quand elle arrive à la maison pour de vrai après le mariage, il y a des choses qui changent, en principe. Si ça ne change pas, vous n'êtes pas vraiment marié. Pour tous ceux qui sont mariés, ils savent que quand ils se marient à leur épouse, qu'ils ont eu leur garçonnaire pendant un bon petit bout de temps, quand elle arrive à la maison, ça change. Elle prend possession de l'endroit. Elle va mettre les choses à son goût. Même si ce n'est pas votre goût à vous, elle va le faire à son goût à elle. Et tous les messieurs disent amen. C'est ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle demeure pleinement en nous, elle prend possession de l'espace et puis elle va changer des choses chez nous. Et c'est ça que Paul nous dit, que la parole de Dieu demeure pleinement en vous. La question que j'ai pour toi ce matin, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi ou tu l'invites juste occasionnellement quand ça t'arrange? Est-ce que tu fais de la place pour la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu fais de la place pour que sa parole demeure pleinement en toi? Il y a deux conséquences si la parole de Dieu ne demeure pas en nous. La première conséquence, c'est qu'elle ne peut pas nous changer. On ne peut pas être changé par sa parole. Et puis on finit par voir la vie chrétienne comme une espèce de buffet. Tu sais, quand tu vas au buffet, tu peux choisir ce que tu manges. Puis beaucoup de chrétiens abordent leur vie chrétienne de nos jours de cette façon-là. Je vais prendre dans la Bible ce qui me convient. Alors je vais choisir, ah tiens, ça, oh, ce passage sur la paix, ça c'est pour moi. Que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, ce sera avec vous, accompagnera vos pensées. Ah ça, j'aime tellement ça, ce verset-là. Puis sinon, je n'ai pas des plans de malheur pour vous, mais des plans de bonheur. Tu sais, tous ces versets-là, là, on fait comme une espèce de buffet. Tu sais, on arrive, oh Seigneur, je vais te prendre un petit peu de paix, un petit peu de joie, un petit peu de salut. Oh, le pardon de mes péchés, oui, ça c'est quand même important, parce que j'en fais beaucoup. Donc là, on pioche un petit peu au hasard,
Alors qu'on voit ça comme un buffet, alors que Dieu nous demande de nous asseoir poliment à sa table et de manger tout ce qu'il a pour nous. La vie chrétienne, ce n'est pas un buffet. La vie chrétienne, c'est un repas où on s'assoit à sa table et on mange poliment tout ce qu'il a à nous mettre dans nos assiettes. Donc la parole de Dieu demeure vraiment en nous. La conséquence, si elle ne fait pas, c'est qu'elle ne peut pas nous changer. On voit la vie chrétienne comme un buffet pour le pardon de nos péchés, la sensation de bien-être, les bénédictions. Mais notre vie, elle doit être vraiment changée radicalement par les principes de Jésus-Christ. Amen. Notre vie, elle doit être changée par les principes de Jésus-Christ. Deuxième conséquence, si la parole de Dieu n'habite pas pleinement en nous, ce qui se passe, c'est que quand on va être tenté ou quand on va faire face à l'ennemi, à l'adversité, on va avoir rien à dire. Avez-vous remarqué comme l'ennemi, souvent, il vient avec des accusations ou alors avec des semi-vérités ou alors des vrais mensonges? Et nous, des fois, c'est... Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était dans le désert, quand il a été tenté, il était tenté dans le désert, et à chaque fois qu'il a été tenté, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit, Jésus lui-même a dit, il est écrit. Jésus lui-même était habité pleinement par la parole. Pourquoi? Parce qu'il était la parole aussi. Le prologue de Jean, Jean 1, nous dit qu'il était la parole qui s'est faite chair. Donc Jésus, pleinement habité la parole, pleinement la parole lui-même, répond, il est écrit. Qu'est-ce qu'il en est de toi dans tes combats? Quand tu fais face à l'adversité, est-ce que tu vas te tenir dans une position où tu vas dire, il est écrit, je sais que Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que tu vas citer la parole? Ou alors tu vas dire, ah, je suis seul. Qu'est-ce qui va arriver quand tu auras tes temps de découragement? Est-ce que tu vas citer la parole? Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ce dessein? Ou alors tu vas te dire, Dieu m'a abandonné. Il faut qu'on soit emprunt de sa parole, emprunt de la vérité, emprunt de ce que Dieu dit de nous. Trop souvent, on oublie la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, si notre vie n'est pas tellement fondée sur la parole de Dieu, quand vient la première adversité, on a l'impression de se dire, ben, dans quoi je crois, tu sais? La plupart des gens, les chrétiens les plus forts que j'ai vus dans ma vie, c'était les gens qui étaient ancrés dans la parole de Dieu. Ce n'était pas juste une petite émotion, ce n'était pas juste « je vais me servir du buffet de la parole de Dieu », mais qui étaient vraiment habités par le message de la parole de Dieu et qui, quand ils rencontraient une difficulté, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur Dieu parce qu'ils connaissaient la parole. Ils connaissaient la vérité. Amen. Nous n'aurons rien à dire quand l'ennemi va venir pour nous tenter, quand la vie va nous éprouver si nous n'avons pas vraiment la parole de Dieu en nous. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait Jésus? Il répondait en disant, il est écrit. Jésus, il connaissait la parole, il avait mémorisé la parole. Moi, ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est de mémoriser la parole pour qu'elle puisse habiter pleinement en nous. Mémoriser la parole. Ça peut sembler drôle. Je ne sais pas si pour vous c'est facile, mais pour moi, ce n'est vraiment pas facile. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un ici de mémoriser les choses? Non. Moi, si je suis du genre, j'oublie mon numéro de téléphone. C'est maintenant, en plus, avec les cellulaires, honnêtement, tu n'as même plus besoin de te souvenir de rien. Tu as ton cerveau là-dedans. Tu t'es fait comme une greffe là. Donc, tout ton cerveau est là-dedans maintenant. On oublie l'anniversaire de nos proches. Une chance que Facebook est là pour nous le rappeler. on oublie tout. On oublie même le chemin jusqu'à notre maison. T'sais. On met le GPS même quand on rentre chez nous. C'est ridicule. Est-ce qu'il y en a qui font ça? OK, ouais, c'est bon. Tu sais, on oublie tellement. C'est difficile de mémoriser. C'est extrêmement difficile de mémoriser. C'est pour ça que Jésus avait un moyen pour nous aider à mémoriser la parole. C'est quoi? C'est de chanter la parole. Chanter la parole, c'est ce que Paul nous dit ici. Quand on réaffiche le verset, s'il vous plaît. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Première partie, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes,
des hymnes, par des cantiques spirituels. Il est même dit, dans certaines traductions, il est dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. C'est pourquoi instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Pour Paul, il y a vraiment un lien entre le fait de connaître la parole et d'être habité pleinement par sa parole et le fait de chanter les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Pourquoi ? Parce que le chant, ça possède un moyen mnémotechnique extraordinaire. Qui ce matin se souvient de 5 prédications qu'il a entendues dans sa vie ? 5, là, qui peut le dire là, du début jusqu'à la fin. Bon, OK. On va dire même peut-être, allez, qui arriverait à citer 5 fois 10 versets consécutifs de la Bible. Bon, OK, il y en a certains ici, parmi vous, là, les Billy Graham qui sont dans ce lieu-là, il y en a certains qui sont capables. Moi, en tout cas, pour moi, c'est quand même, c'est pas très, très, très évident. Par contre, OK, je fais l'exercice avec vous. Qui peut me dire Philippiens 2, comme ça, Philippiens 2? OK, non, Philippiens 2, OK. Qui c'est qui est capable? À main levée, là. Qui c'est qui est capable? OK, Philippiens 2, OK. Par contre, wow, OK, OK, on a un Billy Graham dans la place. Par contre, si je vous dis, pour les plus anciens, peut-être vous connaîtrez « Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. » Jusqu'au... etc. Ça, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que c'est un chant. Et la plupart du temps, les chants, le fait de chanter nous aide à mémoriser. C'est comme ça, on a été fait comme ça. Pourquoi ? Parce que la musique a un grand pouvoir émotionnel et ce qui est vécu émotionnellement, c'est quelque chose qui va rester à vie souvent. Saint Augustin, il disait, « Celui qui chante prie deux fois. » Celui qui chante prie deux fois. Quand tu chantes, tu es en train d'imprimer profondément les principes que tu es en train de chanter. C'est pour ça qu'il est suprêmement important de chanter. Ce matin, mon but, là, c'est que la parole de Dieu demeure pleinement en vous. Comment? En chantant. S'il y avait une chose qu'il faudrait que vous vous souveniez ce matin quand vous quittez cet endroit-là, c'est chante. Chante la parole. Chante la parole quand tu es à l'église. Chante la parole quand tu es seul chez toi. Chante la parole quand tu es dans l'adversité, quand il y a des voisins qui te font du trouble, quand il y a ta famille qui te fait du trouble, quand il y a une mauvaise nouvelle que tu apprends, quand tu apprends que quelqu'un de proche est en train de décéder. Chante la parole. Chante. N'arrête pas de chanter. Certains ici ont arrêté de chanter. Certains ici, vous avez laissé les épreuves de la vie éteindre votre chant. Et c'est la pire des choses qui peut vous arriver comme chrétien, de vous faire voler votre louange, de vous faire voler votre chant, parce que vous n'aurez pas de moyen de vous défendre. Chanter au sein de l'adversité. Il y a encore plein de messages que je pourrais prêcher sur chanter au sein du combat. Là. Ça, c'est un bon moyen pour se faire réinviter. Mais c'est important de chanter à l'intérieur même de nos batailles, puis chanter la parole, chanter la parole. Dans l'histoire, on voit que le chant a toujours eu une place dans l'Église. Tout le temps. En fait, les premiers chrétiens, ils ont pris très, très au sérieux le fait que Paul disait chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Les communautés chrétiennes, c'était souvent des communautés très ferventes, remplies de l'esprit, animées par l'esprit, qui étaient, il n'y avait pas trop d'excellence là-dedans, pas trop de créativité, mais par contre, les gens, ils chantaient à fond. Ils chantaient à fond, même s'ils étaient comme un petit peu comme nous, où ce matin, on avait de la misère à monter pour arriver haut sur la note. Chris nous l'a dit. Hein. Les chrétiens, ils chantaient. Ils chantaient tout simplement. C'était des communautés remplies de l'esprit qui chantaient la parole, chantaient des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Puis ce qui s'est passé après, c'est que les chrétiens ont réalisé qu'ils pouvaient... apporter cette chose-là avec excellence. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complexifié un petit peu les choses, ils ont rendu les choses à l'intérieur de l'Église un petit peu plus excellentes.
j'étudiais en histoire de la musique. En fait, ma formation est en théologie, mais aussi en musicologie. Donc, j'ai pu allier mes deux passions, la musique et Dieu, ou Dieu et la musique. Et j'ai étudié l'histoire de l'Église et puis la musique dans l'Église. Puis il arrive à un moment donné où l'Église en fait, a créé ce qu'on appelle la Schola Cantorum, qui était une école pour les chantres à Rome, pour former des chantres professionnels, pour faire en sorte que les gens dans les églises chantent d'une façon excellente. Puis là, ils ont complexifié le langage musical, ils ont rajouté des voix. Et puis pendant quelques années, pendant quelques décennies, peut-être même siècles, les gens arrivaient encore à chanter dans les églises avec une excellence, c'est-à-dire ferveur spirituelle et excellence aller ensemble. Mais ce qui s'est passé après, avec le temps, c'est que les gens ont perdu la ferveur spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont complexifié la façon dont les chants se faisaient. Et donc, les gens dans l'église, ce qu'ils arrivaient, ils écoutaient des belles choses qui se passaient, mais ils ne chantaient plus. Ils ne chantaient plus du tout. Ils voyaient une gang de professionnels qui étaient sur l'estrade, qui chantaient. C'était magnifique, tu avais des chansons avec 12 voix. Si tu penses ce matin que la chorale est excellente, elle était vraiment excellente, mais eux, ils faisaient à 12 voix, tu sais, c'était waouh. C'était des motets isorhythmiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'était vraiment extraordinaire. Aux plus grandes heures du Moyen-Âge, 1200, etc., quand la cathédrale Notre-Dame a été bâtie, c'était formidable la musique qui se passait. L'Occident avait une musique hallucinante. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait un grand déclin spirituel. Les gens ne chantaient plus dans l'église. Les gens ne chantaient plus. Et il y a toujours eu un rapport entre la ferveur spirituelle d'une église et le fait que les gens étaient engagés à chanter. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a des réformateurs qui sont arrivés, Luther, Calvin, etc. Ils ont dit, on va jeter tout ce qui est des fioritures et on va revenir au chant simple des chrétiens. Puis le cycle a recommencé, puis le cycle, maintenant, il se poursuit. Combien dans leur église ont la misère des fois à chanter ? Parce qu'on complexifie trop les choses. On a l'impression qu'on arrive le dimanche matin, ça doit être un concert, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas un concert qu'on fait le dimanche matin, et c'est l'assemblée qui vient ensemble et qui chante, qui proclame sa foi. Si on empêche les gens de chanter dans l'église, on va vivre un déclin en tant qu'église. C'est assuré. C'est assuré. De partout où je suis allé, à chaque fois que je voyais une église qui était en train de chanter à fond, je me disais, je voyais que l'église était en réveil. Il y avait quelque chose dans cette église-là. Il y a une passion, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que je vais dans une église et puis que je sens que c'est comme, tu sais, le festival du citron. Le festival du citron, c'est, tu sais, t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui a mordu dans un citron, là. Comme ça. C'est le moment de louange, là, où il y a tout le monde qui a le festival du citron, là. À chaque fois, je vois que c'est une église qui voit pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger l'église. Non, ça doit dire qu'on doit ramener le chant. Puis ce n'est pas la seule chose, OK? Mais c'est souvent un symptôme, mais aussi quelque chose qui déclenche. Donc, ramenons le chant dans nos congrégations. Le fait que les chrétiens puissent chanter. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous êtes leader de louange, chantez des chants à la hauteur que les gens peuvent les chanter. Ne les découragez pas de chanter. Et là, il y a tout le monde qui dit « Amen ». Vous pouvez dire « Amen » des fois quand ça vous tente, hein? Ne prenez pas des rythmes qui sont trop compliqués. Tu sais, des fois, il y a des gens qui... Grand mystère l'a révélé ce matin. Les gens dans nos églises ne sont pas des musiciens. Flash news. Les gens ne sont pas bons musicalement dans nos églises, en principe. Puis c'est pas parce qu'ils sont dans l'église. Non, c'est pas ça. C'est que les gens, il n'y a pas juste des musiciens. Oh, merci, t'es tellement gentil. Merci beaucoup. Je m'en sers tantôt. Les gens dans nos églises ne sont pas musiciens. Et donc, si on arrive le dimanche matin avec notre dernier rite, « Je veux louer le Seigneur, il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Là, tu viens de perdre au moins 80% de la congrégation. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de bâtir nos églises de façon à ce que les gens puissent chanter. Chanter, 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 chanter. Puis laissez-moi vous dire ce matin, il n'existe aucune exception au fait de chanter dans l'église. Tu sais, peut-être toi, tu te dis, j'ai une voix que seule ma maman peut aimer. Tu sais?
Je vous demanderai pas de lever la main, là. C'est, mais des fois, on est gêné de chanter dans l'église parce que oh, j'ai pas une trop belle voix. Et puis là, tu commences à voir comme ça, et puis tu sens que ça porte pas bien. Donc là, chante pareil. C'est pas pour ta belle voix. Puis même si Chris il dit que tu chantes pas bien correctement, continue de chanter pareil. Chante en congrégation. Il n'y a pas d'exception. De plus en plus d'églises, ils renoncent à ce que les gens y chantent. Il faut continuer à chanter, continuer à chanter. Ne sacrifiez jamais le chant en congrégation au profit de l'excellence et de la créativité. Jamais, jamais, jamais. Honnêtement, là, c'est une des choses que je fais le plus attention. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les dimanches, les gens puissent vivre une expérience spirituelle intense, excellente musicalement, culturellement pertinente. Je l'avais partagé l'année dernière, hein, le propos, le principe de l'excellence. Mais ce que je regarde toujours avant tout, c'est est-ce que les gens ont participé? Quand on se rassemble le mercredi matin avec mon équipe créative, pour débriefer ce qui s'est passé le dernier dimanche et puis prévoir ce qui va se passer le dimanche d'après, la question que je pose toujours, c'est, parce que je ne suis pas là dans toutes les chapelles, donc je pose toujours la question, comment ça s'est passé? Et puis là, souvent, ils vont commencer, ah, ben, c'était bien, c'était beau, un tel a bien chanté, ou alors, tu sais, c'était excellent, waouh, tout ça. Puis je reviens toujours à la question, je dis, est-ce que les gens ont chanté? Et puis des fois, je sais, c'est peut-être dangereux ce que je dis là, parce que des fois, certains oublient trop le fait d'approcher quelque chose de façon, d'approcher l'Église de façon excellente. Puis croyez-moi, quand on est à l'Église, à la chapelle, en tout cas dans mon Église, je mets énormément d'emphase sur l'excellence, que ce soit beau, que ce soit excellent, que ce soit créatif. Puis on a une Église, il y a énormément de créatifs dedans. Mais il y a des fois, des dimanches, je voyais qu'ils sacrifiaient le fait que les gens chantent ensemble pour eux, pour la créativité. Moi, ce que je disais tout le temps, c'est on va essayer d'être créatif, certes, mais ce qu'on va jamais perdre, ce qu'il faut jamais qu'on perde, c'est le fait que les gens chantent ensemble, que les gens chantent. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet à ce que la parole de Dieu demeure pleinement en nous. C'est ça l'Église. Dans le passage de Paul, il n'est pas dit « écoutez la belle musique que les gens sont en train de faire tout seuls en avant ». Il n'a pas dit ça. « Soyez pleinement remplis de la parole de Dieu ». Il ne dit pas « donc écoutez la musique que les conducteurs de louanges vous font le dimanche matin ». Il ne dit pas ça. « Exhortez-vous les uns et les autres ». Puis il y a un mot qu'on a perdu. Il y a un mot qu'on a perdu en tant qu'Église et en tant que congrégation qui chante, c'est le « nous ». Avez-vous remarqué, on est beaucoup au jeu. Je te loue, Seigneur. Seigneur, viens me remplir, moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai, moi, me, myself and I. C'est ce que j'appelle, peut-être certains vous m'avez entendu dire ça déjà, c'est ce que j'appelle un petit peu la louange Britney Spears. Britney Spears, elle avait une chanson il y a quelques années de ça. Me jugez pas, là, j'écoute du Britney Spears. Je suis sûr qu'il y en a qui écoutent aussi. Yeah, Britney Spears, elle avait une chanson qui s'appelait Gimme More, Gimme More, Gimme More, Gimme More. Et puis des fois, certains chrétiens vont à l'église, tu sais, puis leur louange, c'est ce genre-là. Seigneur, remplis-moi encore plus, moi, Seigneur, moi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, moi, encore en moi. Mais souvent la parole de Dieu, elle n'est pas contre le moi. Je veux dire, David, dans les psaumes, il parle beaucoup au jeu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enlever le « nous ». Le « nous », là, c'est hyper important. Exhortez-vous les uns les autres, le « nous » ensemble. Le « nous » proclamons ensemble, il y a quelque chose de profondément riche à le vivre comme ça en tant qu'Église. Donc, ne sacrifiez jamais la participation au profit de l'excellence. Ne sacrifiez jamais le « nous » au profit du « je ». Il faut toujours avoir un équilibre dans ces choses-là. Quand tu chantes, tu t'édifies, tu t'enseignes et tu enseignes les autres croyants. Chanter, c'est une aide, mais ce n'est pas une option. C'est vraiment pas une option. Donc ce matin, prends la décision de chanter. Chante, chante, chante. Je crois vraiment, honnêtement, je crois vraiment que les chants, ils bâtissent autant la foi que les prédications. Ce que je disais tantôt, combien de fois dans la semaine, tu vis une semaine qui est
atroce, terrible. Puis là, d'un coup, il y a un chant qui te revient. Puis là, tu commences à chanter ce chant-là, puis hop, ça t'édifie. C'est rare qu'une prédication te revienne autant en tête. Puis je suis pas en train de dire les pasteurs, ça vaut rien, écoutez pas la parole. Non, bien au contraire, ils nous enseignent. C'est hyper important. Mais sachez que le chant, c'est ça souvent qui nous revient. Souvent, ouais, c'est ça. Souvent, la seule théologie que les gens connaissent sont les chants qu'ils chantent. C'est pour ça que c'est suprêmement important pour nous qui composons des chants d'écrire des chants qui sont vraiment solides. C'est suprêmement important. Pourquoi? Parce que c'est souvent la seule théologie que les gens retiennent. C'est souvent ça, la seule doctrine que les gens sont capables de retenir. Donc c'est hyper important. Et puis là, ici, je m'adresse à tous ceux qui composent des chants ici. Est-ce qu'il y a des gens qui composent des chants ici? Oui, oui. Hey, c'est bon ça. Écrivez des chants qui vont être saturés de l'Évangile, saturés de la vérité biblique, saturés de la révélation de Dieu à travers sa parole, pour que vous puissiez donner du contenu pour les gens à chanter. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Impact quand on a composé l'album Scriptura, l'album où il y a « Mon secours est en toi », des chansons comme ça. « Mon secours est en toi », c'est le psaume 121 qui est comme remodelé un petit peu. Chaque chant de l'album Scriptura est un chant qui est directement, qui cite directement ou alors qui refaçonne, ou alors, pas refaçonner, mais qui adapte des passages de l'Écriture. Exemple, « Parole devenue chère », c'est Jean 1. « Christ est ma vie », je ne me souviens plus quel passage c'est. « Et la mort m'est un gain », vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est Romain. Voilà. Bref, tous les chants sont inspirés directement des Écritures. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je voyais qu'il y avait tellement de mes amis qui délaissaient la foi, qui disaient « Ah, la parole de Dieu, je ne suis pas sûr si je peux m'y fier vraiment ». Puis qui commençaient complètement à rejeter, puis je voyais que les gens avaient vraiment besoin de proclamer les vérités de l'Évangile dans leur vie. Je dis, il faut qu'on écrive des chants que les gens vont pouvoir chanter, s'approprier, que ce soit emprunt et saturé de la parole de Dieu. Amen. Donc chante. Chante quand tu es seul. Chante quand tu es à l'église. Ne te prive jamais de chanter. Comment doit-on chanter? La Bible, elle nous dit, en fait, dans Colossiens 3:16, elle dit chantez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Donc, ce n'est pas genre une louange à moitié. Ce n'est pas juste genre je chante comme ça, je suis heureux et nous tressaillons de joie. Tantôt, j'étais assis à côté de. J'étais avec Guy. Et puis, Chris disait « Bondissez de joie, loue !» Puis, pour nous, il semble, tu sais, puis Chris disait « On danse !» Puis, je voyais le monde, c'est... Puis, moi, le premier, tu sais, je lui dis « C'est très, très blanc. » Pour nous, les blancs, la danse, elle est intérieure, souvent. On danse, on se réjouit, mais c'est très intérieur. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit être pleinement impliqué dans le moment. Pleinement, le saisir à fond, comme si c'était le dernier service de louange qu'on faisait. Comme si c'était la dernière fois qu'on se rassemblait en église. Puis donne ton meilleur. Je ne suis pas en train de dire ici que tout le monde doit avoir le même genre de réponse émotionnelle. Ce n'est pas ça, tu sais. Des fois, on enferme les gens dans un certain sens de réponse. Il faudrait qu'ils sautent tous comme ça, tu sais. Même si tu as 80 ans, que tu t'es blessé la hanche, il faut que tu sautes pareil. Tu sais, parce que bondissez de joie, Chris, il l'a dit. Non, c'est pas ça. Mais par contre... Au maximum de ta personnalité, sois à ton meilleur. Comment es-tu dans les moments les plus exubérants de ta vie? Comment es-tu quand la France gagne la Coupe du Monde? Essayez de l'appliquer à toutes sortes de choses que vous aimez dans vos vies. Mais comment es-tu dans ces moments? Et cherche à vivre dans ce moment-là. Sois-le de tout ton cœur. Mets ton cœur pleinement là-dedans. Moi, vous savez, j'ai vraiment des expériences des fois qui sont terribles. Quand je conduis la louange, il y a toutes sortes de gens dans nos congrégations. Puis, tu as toujours des gens qui te bénissent. Moi, je les appelle Emmanuel le spirituel. Emmanuel le spirituel, lui, il est souvent dans la première rangée. Quand le service de louange ne va pas comme tu veux, quand tu sens que l'avion ne décolle pas trop, ce que tu fais, c'est que tu regardes Emmanuel le spirituel. Parce que Emmanuel le spirituel, il a toujours les bras levés. Emmanuel le spirituel, il chante fort. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va t'encourager. Lui, c'est bien, là.
lui, peut-être qu'il chante pas super bien, mais il aime Dieu vraiment et puis il le montre à tout le monde. C'est ça, là, pour moi, Emmanuel spirituel, c'est génial. Mais t'as d'autres personnes. T'as Carter le dragueur. Moi, je l'appelle comme ça. Carter le dragueur. Vous savez, moi, j'ai dit la louange beaucoup dans des contextes jeunesse dans ma vie. J'étais pasteur de musique jeunesse. Puis, t'avais souvent le genre de gars qui arrivait à l'église. Puis lui, tu sais, pendant toute la louange, j'étais comme ça. Et puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de repérer la fille qu'il allait éventuellement inviter au restaurant après. Mais oui, c'est à ça que sert un groupe de jeunes. Hein. On dit, venez pas pour chercher votre épouse, mais où veux-tu qu'ils la cherchent, leur épouse, là, tu sais, si c'est pas un groupe de jeunes. En tout cas, c'est un autre sujet, ça. Donc là, c'est lui, là, Carter le dragueur, lui, ce qu'il fait, donc, jusqu'à temps qu'il aperçoive la fille qui répond aux 50 critères qu'il a fixés dans sa parole, dans sa Bible, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, il cherche, et puis là, d'un coup, il la voit. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il lève les mains comme ça. Mais il lève pas les mains vraiment pour adorer, il cherche juste à montrer ses biceps. Ne soyez pas un Carter le dragueur. Sinon, t'as le... Est-ce qu'il y a le réveil à côté et puis on le sait pas ou c'est... Ok, non, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est les deux madames d'hier qui sont revenues? Tout un moment à ce qui paraît. Sinon, t'as l'autre genre de personne aussi. C'est... Moi, je l'appelle Joe le Guitar Hero. Joe, le guitar hero, c'est le musicien. Tu sais, dans nos congrégations, t'as souvent les musiciens. Puis eux, là, ils sont pas vraiment en train d'adorer Jésus. Ils sont en train juste de regarder les musiciens comme ça et faire « Oh, wow, oh, yeah ». Joe, le guitar hero, lui, il pratique chez lui pendant 3 heures pendant la semaine. Et puis ce qu'il veut juste, c'est ressembler au guitariste qu'il voit sur le DVD de Hillsong. Et puis c'est ça qu'il fait. Puis tous les dimanches matins, il est là pour regarder comment les musiciens vont performer. Ne soyez pas comme Joe, le guitar hero. Ne soyez pas non plus... comme Ernest le Chevreuil. Je l'appelle Ernest le Chevreuil. Si vous appelez Ernest, soyez bénis. Mais Ernest le Chevreuil, quand il est à l'église, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a une position, c'est ça. Puis pourquoi j'appelle Ernest le Chevreuil? Parce qu'au Québec, on a beaucoup de chevreuils. Puis souvent, le soir, tard, ils sont à l'orée des bois et puis ils traversent la route. Puis quand ils sont sur la route et que toi, tu arrives avec l'auto, il y a les pleins phares. Lui, Ernest, le chevreuil, il s'enfuit pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il reste sur la route et puis il te regarde comme ça. Puis boum, il se fait frapper. Puis des fois, grande nouvelle ce matin, c'est à ça que vous ressemblez quand on conduit la louange. À Ernest le chevreuil, tu sais, comme ça. Aucune émotion, les yeux éblouis, je sais pas, peut-être qu'il se passe quelque chose de très spirituel et profond à l'intérieur de vous, je sais pas. Mais ça ressemble plus à Ernest le Chevreuil que ce que Paul dit. Paul dit, louez Dieu, chantez, exhortez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, exhortez-vous par tout ça et de façon de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Donc, posez-vous la question, à quoi ça ressemble quand je fais quelque chose de tout mon cœur? Et vivez-le à la maison et quand vous êtes à l'église. Amen. Je vais m'arrêter là. C'est l'heure anyway. Les organisateurs vont m'aimer. Je voudrais qu'on prie ensemble. Demain, je vous apporter un message qui est complémentaire à celui-ci. Vous allez voir. Aujourd'hui, je vous ai dit « chante ». Demain, je veux vous dire « arrête de chanter ». Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va se lever ensemble, ok? On va se lever tout le monde. Et je voudrais que de tout notre cœur, on puisse élever nos mains, ok? À moins qu'une condition médicale qui vous empêche de le faire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette matinée. Nous te remercions parce que tu nous appelles ton peuple. Seigneur, on est souvent oublieux, Seigneur, de ce que tu nous dis. Et je te prie de nous faire grâce, Seigneur. Moi, personnellement, Seigneur, j'oublie tellement souvent, Seigneur, de chanter ta parole. And the angels all surround you, crying holy. You are high and lifted up,
saints from every age adore you, crying holy is the Lord. Tous ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom. Les femmes.